La vie de Phyllis Nefler était une véritable symphonie de dépenses. Celle-là, je les laisse. J'achète le reste. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi aujourd'hui. Alors je me suis constitué une nouvelle garde-robe. Jusqu'au jour où son mari arrêta la musique. Tu n'as jamais accordé aucun crédit à tout ce que je faisais. Mais parce que tu n'as jamais rien fait. Dans ce cas, il est peut-être temps que je m'y mette alors. Engagé. Maman va devenir chef-tem. Qui êtes-vous? Oh, Phyllis Nefler. Patrouille Beverly Hills. La métamorphose est totale. Alors, Jeannette, prête pour la rue des Princes? Elle abandonne le shopping. Je ne peux pas vous laisser seule avec les filles. Pourquoi donc? Parce que tu n'as aucun sens de l'orientation. Pour vendre des cookies. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un joli mot, jamboré. J'aimerais bien que ma patrouille soit sélectionnée. C'est quoi le jamboré? Elle passe de la vie d'hôtel... Les femmes, mener la vie dure. Oui, une baignoire pour 9 personnes, c'est un trop. À la vie au grand air. Allez, allongez-vous et ouvrez la bouche. Je vais vous faire une démonstration de réanimation cardio-respiratoire. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a rapporté 2 badges, c'est vous dire. Des loisirs de la haute société. Vous préférez qu'on vous appelle dictateur ou simplement Dick? Aux émotions de la grande aventure. Je trouve ça très bien d'apprendre à survivre dans la forêt, de manger de l'écureuil. Vous pensez pouvoir vous pavaner avec vos princesses dans Beverly Hills, mais avec la meilleure volonté du monde, vous ne serez jamais une vraie chef scout. Et on risque rien, nous sommes la patrouille de Beverly Hills. Shelley Lang. Oh, quelle aventure! Alors les filles, c'est pas beau la nature? Ah! Les scouts de Beverly Hills. Elle n'a pas froid aux yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons toutes chanter Kumbaya.